Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une bonne journée. Aujourd'hui, on s'intéresse à récolter de l'information sur notre cluster Kubernetes. On va se mettre en mode un petit peu debug. Comment savoir où trouver de l'information, quelle information, comment la trouver, etc. C'est important de savoir faire ça rapidement, puisqu'en fait, assez rapidement, on a quand même des choses qui peuvent ne pas fonctionner comme on le souhaite, et on veut pouvoir voir un petit peu où se situe le problème. Alors, première chose, au niveau des nœuds et de leurs états, on a déjà vu ces commandes-là, mais on va les refaire. Donc moi, à côté, j'ai ici mon cube master qui fonctionne. Donc on va lui faire un cube CTL get node. Donc là, tout simplement, on a la liste de nos serveurs qui apparaît. On avait fait un cube CTL-getNode-o-wide. Ça nous donne un peu plus d'informations, notamment les IP de chacun des éléments, les OS qui sont utilisés par chacun d'eux, les kernels et les versions de Docker. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a l'option Describe qui est utilisable sur la plupart des ressources Kubernetes. Donc on va faire un kubectl describe node. Et là, on va indiquer un nom de node, par exemple kube master. Donc là, c'est le master sur lequel je suis. Et là, si on regarde, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations concernant ce nœud et tout ce qui s'y passe, en gros, y est affiché. Donc son nom, son rôle au sein du cluster, les différents labels qui lui sont affectés, les labels et les annotations. Donc tout ça, c'est un peu des étiquettes pour résumer. Quand est-ce qu'il a été créé? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les conditions. Donc, ces éléments un petit peu essentiels au niveau donc memory, son adresse au sein donc son adresse IP pardon, le nombre de CPU qui lui sont affectés, la mémoire, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les informations au niveau du système, donc l'OS, le kernel, ce qu'on a déjà vu, la version de Kubelet. Ici, c'est assez intéressant. Et puis aussi, donc les namespaces. Quoi, pas les namespaces, mais les pods qui portent tout simplement. Donc le namespace, comme on est sur un master, grosso modo, c'est que des pods qui sont dans le namespace cube système. Donc là, on a tous nos pods qui sont listés. On reviendra sur les rôles un petit peu de chacun d'entre eux, donc avec du DNS, avec du etcd qui porte les confs, de l'API, notre pod flannel qui permet de faire la connexion réseau entre les différents nœuds, le rôle du proxy, et le scheduler notamment, plus le contrôleur. Voilà, bon, on verra tout ça peut-être dans le cadre d'une vidéo spécifique, les ressources qui sont allouées. Et ce qui est intéressant, c'est les différents events qui sont liés à notre pod. Donc là, on les voit tous. Donc voilà, là par exemple, on peut voir qu'il y a 7 minutes, j'ai démarré mon kubelet. Alors je suis désolé, j'ai le OK, c'est pas terrible. Voilà. Donc là, on a l'ensemble des éléments, le status, etc. Voilà. Donc là, c'est un premier élément. Donc on va continuer. Ensuite, on peut lister les différentes composantes. Alors, on va copier ça. On va coller. Voilà, c'est déjà fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a dedans? On a qu'est-ce qui est porté par notre nœud? Les différents composants. Les composants, on va dire, vitaux, même si les autres ne sont pas moins vitaux, mais au niveau de notre cluster, donc le scheduler, le contrôleur et le TCD. Donc là, on voit que tout ça est dans un statut ici, donc il n'y a pas de problème, tout est OK, et tout est en bonne santé. Donc là, ça peut être une indication sur un mauvais fonctionnement de notre cluster. Et puis, on a aussi les daemon sets. Donc là, les daemon sets, c'est tous les pods qui fonctionnent en arrière-plan sur différents nœuds, hein. Notamment, donc là on va le voir, voilà, Flannel, donc le réseau, et Proxy, qui permet les échanges avec l'extérieur. Donc là, il nous dit, voilà, il lui faut deux pods. Donc en l'occurrence, deux pods, puisqu'on a un master et un node. Leur état, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont up to date,
Update, pardon, est-ce qu'ils sont available? Voilà. Donc là, ça aussi, c'est une information assez importante. Là, on était plutôt sur diagnostiquer si notre cluster est up et fonctionne vraiment en bon état. Maintenant, on va s'intéresser en cas de débogage de pods et de services. Donc, on s'est aperçu que notre cluster fonctionne bien. Enfin, maintenant, on va s'intéresser à notre pod. Donc là, bon, celle-ci, on va la refaire pour la forme, mais kubectl get pods. C'est celui que j'ai juste en dessous, hein, d'ailleurs. Voilà, toc. Donc ici, j'ai plutôt pas mal d'informations. Si ce n'est que là, j'ai pas les pods qui sont liés au namespace système. Donc on peut faire un --all namespaces pour lister tous les pods et peu importe leur namespace. Donc là, on a aussi bien notre Nginx qui est sur namespace default, mais aussi sur ceux qui sont sur le cube système. Sinon, on peut faire un -n cube système pour préciser, être précisément sur un namespace. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le get services. Donc, on a vu comment créer des services. Service qui est l'exposition de nos déploiements, nos pods vis-à-vis de l'extérieur. Donc là, on peut lister nos services. Hop, voilà. Donc là, on a la liste de nos services. Donc par défaut, on a toujours Kubernetes. Et puis moi, en l'occurrence, bah, j'ai mon Nginx. Avec, donc on n'a pas d'IP interne, ça c'est plutôt quand on fait du cloud. Et puis les ports qui sont affectés. Donc le port, tout d'abord le port interne au cluster, puis le port qui est utilisable à l'extérieur. Et l'IP interne. Voilà. Hop. On peut lister aussi les déploiements, bien sûr. Donc là, kubectl get deploy ou deployment, les deux fonctionnent. Il faut s'habituer plutôt à des formats courts, c'est plutôt plus pratique. Donc là, on en a qu'un, on a que mon Nginx qui fonctionne. En l'occurrence, tiens, si je mets un --all namespaces. Il m'affiche aussi donc le donc Flannel en l'occurrence, qui pour lequel bah, quand on a lancé nos pods Flannel, en fait on l'a lancé avec un deployment et du coup celui-ci est bien enregistré. Il nous dit qu'il a deux pods qui sont répartis, donc là on le voit pas, mais ils sont répartis à la fois sur le master et sur le sur le node. Et puis l'arme absolue, donc hop, le cube, mince, hop, cube ctl get all, et là ça nous donne toutes les informations. Donc là en l'occurrence j'ai pas mis de namespace, donc là on va avoir tout ce qui est lié au seul déploiement qu'on a fait hors du namespace cube system. Donc là on est sur le default namespace. Donc là on voit qu'on a un pod, on a un service, quoi, deux services, non, le service mon Nginx. On a le déploiement, donc mon Nginx. On a ce qu'on appelle un replica set. Donc là, le replica set, c'est le daemon qui va permettre de gérer en fait bah, le nombre d'instances de notre déploiement, pardon, qui vont pouvoir tourner. Et puis là, on voit que bah, on a aussi un autoscaler qui a été lancé. Ça, on l'a fait lors de la précédente vidéo. Et voilà, on dit qu'on a précisé que le minimum était de 1 pod, le maximum de 5 pods, qu'on avait un réplica de 1 pour l'instant, et puis là on voit que bah voilà, il y a des règles donc qui sont fixées à 80% de la charge CPU. Voilà. Et puis pour avoir plus d'infos, bah on l'a vu dernièrement, pour avoir plus d'infos, -owide. Qui est souvent utilisable. Et puis ne pas oublier le fonctionnement par namespace, mais ça on aura l'occasion de voir comment de créer des namespaces, comment naviguer dedans, les petites astuces, petits raccourcis pour naviguer aussi dedans. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tout ça on a vu, donc on a la possibilité de décliner le describe sur à la fois les nodes, les pods, les services, les déploiements. Donc là, on ne va pas le revoir dans le détail. On a le kubectl logs. Donc là, on va le faire. Kubectl
logs, mon Nginx. Donc là, le logs, bien sûr, il ne fonctionne uniquement que sur les pods. Et on n'a pas de fusion des logs de par entité. Moi, en l'occurrence, j'ai pas de logs puisque tout simplement le service vient de démarrer. C'est à peu près logique. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme élément? Ah oui, alors sur le kubectl logs, on peut faire comme pour Docker un -f qui permet de faire l'équivalent du tag-f sur un fichier de log. C'est-à-dire qu'en fait, on va lancer à côté des commandes, on va avoir des get qui sont réalisés et on va avoir. Alors là, on peut se le tester. Si je fais un kubectl get services, hop, ici, donc on va se connecter sur le 31.584, donc 192.168.56.101 de point 31.584, voilà. Donc là, logiquement, voilà. Donc là, on a bien, hop, au-dessus, vous voyez qu'on a des logs qui rentrent au fur et à mesure, classiquement, si je refais des rafraîchissements. Hop, voilà, donc on a bien des 200 qui passent. Non, 304. Ah oui, des 304 qui passent. Voilà. Alors, ensuite, est-ce qu'on a fait le tour? Là, on est plutôt pas mal. Donc, oui, on a pratiquement fait le tour, sauf qu'on a encore un à découvrir, le event. Donc là, on n'est pas sur les logs. C'est à différencier. Hein. Le event, c'est vraiment l'avis du pod. Donc, kubectl events. Get events, non, de mon Nginx, voilà, hop, ah oui, ok, hop, donc là mon Nginx, il me faut juste le bon pod. Donc là, si je fais ça, toc, voilà, qu'est-ce qu'il a qui va pas? Il n'a pas d'event. Pourquoi il n'a pas d'event? Mon Nginx. C'est assez étonnant. Ok. Alors, l'avantage de la tabulation, c'est qu'il va nous poser des choses. L'inconvénient, c'est que c'est pas forcément limpide. Pourquoi il nous propose. Ouais, systbdf5848. Ok. GLBC, ok. Pourquoi? Ah, il lui faut un event particulier. Tiens, je pensais que ça fonctionnait exactement comme les logs. Je suis assez étonné là. Ouais. Ok. Bon, on va rester là-dessus. De toute façon, si je fais un get pod de mon Nginx. Non. Ah, si je fais un describe pods, voilà. Hop. Donc là, j'ai un moyen en fait de retrouver mes, hop là, voilà, mes events dans le describe en fait. À la fin du describe, on retrouve toujours les events. Normalement, on aurait dû nous les lister de cette manière-ci. Je ne sais pas pourquoi c'était pas sorti, je suis assez étonné. Donc vous voyez que du coup ça permet d'avoir les différents événements sur un pod en particulier, donc sa vie, etc. Donc si un pod avait migré par exemple de serveur, on pourrait le voir également. Voilà, les poolings d'images, comment il a été créé, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo un petit peu transitoire, où on a vu comment naviguer et collecter de l'information sur Kubernetes, notamment pour débugger, pour aussi découvrir la vie d'un cluster, et pourquoi pas scripter, trouver de l'information, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt sur XavKey.